Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis dans une petite voiture, une Suzuki Swift. Je vais la filmer juste après. On va en direction du contrôle technique parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture qu'on a vendue en moins de 24 heures, les amis. C'est-à-dire que on l'a rentrée, on l'a amenée en carrosserie. Dès qu'elle est sortie de carrosserie, on l'a mise en ligne. Le soir même, on a été harcelé. Le lendemain, on l'a vendue. Donc voilà. Je vais vous présenter cette petite Suzuki Swift. Donc voilà, une petite Suzuki Swift de 2017. Donc c'est essence hybride, non rechargeable. Donc voilà, critère 1. On l'amène au contrôle technique. Bon, elle est pas mal, hein. Franchement, je vous filmerai l'extérieur après. Elle est assez bien équipée. Elle a que 101 000 km. Donc voilà, attention le petit radar. Ça, voilà pourquoi je vous disais, les amis. Souvent, nos clients, quand ils partent de chez nous, il faut enregistrer vite les sessions parce que ce radar-là que vous avez vu juste ici, il fait mal. Il fait très mal. Il fait très très mal. N'oubliez pas aussi, les amis, si vous voulez des vêtements de bonne qualité à moindre coût, il y a une D'ailleurs, remise elle de. arrive quoi la mienne? Parce que monsieur a l'ancienne collection, il n'est pas content. Elle arrive, on verra. On verra. Elle n'est pas passée la commande encore? La commande n'est pas passée Ah encore, mais là là, je là. vais m'arranger avec le fournisseur parce qu'il a déjà eu des retours clients. Il a déjà eu des retours de ma part, donc tout le monde est content, c'est bien les gars. Et vous n'allez pas être déçus. Donc du coup, c'était au lieu de 220 euros, vous avez une remise à 168 euros avec la veste comme ça, les pulls qui vont avec, 3 pulls et 5 t-shirts. Et après, vous pouvez rajouter bonnet, casquette, voilà, ça coûte pas grand-chose. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai Tu m'as pris le quoi? Que la contact dans la veste ou le vidéo. pack complet? Toi? Ouais. Toi, je t'ai rien pris pour l'instant. Prends-moi le pack complet. Parce qu'en fait, je vous explique lui. Pourquoi je lui prends rien? Bon, je monte pas sa tête parce qu'il veut pas être monté, mais en gros, c'est mon petit cousin, il travaille avec moi depuis. Depuis quand maintenant? On va parler un peu de toi. 6 ans? 6 ans depuis 2017. Donc il a commencé avec moi en alternance en BTS. Il m'a suivi dans tous mes projets. Donc quand je ferai la vidéo où je parle de ce que j'ai fait, comment j'ai commencé, etc., comment j'en suis arrivé là. Et ben, bon, je vous ferai une vidéo avec lui parce que commence avec moi depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que j'avais commencé peut-être. Moi, j'ai dû commencer l'entrepreneuriat fin 2015 et lui, il est arrivé en 2017, donc quasiment à mes débuts, quoi, peut-être un an et demi après. Ta première société. Ma première société, ouais. T'étais pas mon premier, non, t'étais pas mon premier employé. C'était pas mon premier employé. Il y avait déjà un ami à moi que j'embauchais à l'époque, mais voilà, il fait partie quasiment des premiers. Donc, t'es arrivé, t'avais quel âge? 19. 19 ans, il arrive à 19 ans, aujourd'hui t'en as 25, 26. 26, purée. Et donc, son problème à lui, c'est quoi? C'est que moi, je lui achète des vêtements que je paye cher. Et monsieur, il les lave à 60 ou 50 degrés et après, ça lui fait des croque-top. Non, 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 c'est aussi ça se dé... ils sont délavés avec le Quoi? soleil et Non, tout. mais non, nous on les a tous, moi ils sont encore bien les miens. Et je les lave autant que toi. Je sais pas. Non, non, mais t'avais pas fait une dinguerie comme ça où tu les avais tous. Une fois, Voilà, ouais, une une fois. fois. Mais sauf qu'une fois, s'il y a tous les vêtements, forcément, ils lui vont plus. Et en plus, c'est un beau bébé, donc il est. Donc forcément, quand les vêtements lui vont plus, ben, c'est un peu galère, quoi. Bref, il y a la nouvelle collection 2024. C'est vrai qu'elle Moi, est je belle, suis cette petite coupe. de collection 2022. Ça y est, là. T'en as marre, quoi. Exact. T'en as marre, t'en as marre. Ben écoute, je vais voir pour passer commande. Donc, merci à ceux qui ont commandé. Merci à ceux qui vont commander. Merci pour les demandes de coaching en ligne. J'en ai reçu des nouveaux. Donc voilà. Hein. Je vais pas prendre 10 000 personnes, les gars. Je pense que je vais m'arrêter à une dizaine parce que je pourrais pas assumer tout le monde après. Donc n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de passer 1 heure avec moi au téléphone. N'oubliez pas l'offre promo des 30 premières minutes offertes. Donc normalement, je facture 60 euros de l'heure. Et du coup, je vous offre la première demi-heure. Donc, ça vous fait l'heure avec moi au téléphone. Au téléphone, FaceTime. On peut faire un Skype, un visio, etc. pour 30 euros. Donc, voilà, les amis. On est sur la route. On va arriver bientôt au contrôle technique. Je vous ferai une petite vidéo là-bas. À de suite. Du coup, les amis, voilà la petite Suzuki. Hein. Donc, elle est pas mal. Toit bicolore. Elle a des belles jantes. Une petite rayure là. On va essayer de faire le taf.
Mais sinon, elle est sympa. Là, les amis, on a récupéré le petit coup de... Le coup de fusil partie 2, comme qui dirait. Ouais, express. Hein. En moins de 24 heures, harcelé. Petite féline, donc c'est une boîte méca. Là, l'écran, elle a pas beaucoup de bornes. Elle a 80 000 bornes, les amis. Je vais vous filmer l'extérieur. Elle est très propre. On l'a amenée au lavage. Que vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Franchement, c'est une bonne petite voiture vendue en moins de 24 heures. Après, ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est vendu en moins de 24 heures, c'est qu'on était, on aurait pu la mettre plus cher, je pense. Alors, la difficulté de cette voiture, les amis, je vais vous dire c'était quoi. C'est qu'en fait, elle est de 2013, mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et en fait, au prix, donc nous, on l'a fait 9 790 euros. Et à ce prix-là, il faut savoir que vous aviez pas forcément aussi équipé, mais vous aviez des modèles équivalents, mais qui était beaucoup plus récent, donc de 2017-2018. Avec le même kilométrage? Avec le même kilométrage, mais plus récent. Bizarre. Quoi, tu doutes de mes capacités là? Ouais. Mais c'est pas logique. Si, 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 parce qu'en plus, je l'ai regardé avec un collègue à moi, cette voiture. On a fixé le prix ensemble avec le gars avec qui je l'ai acheté. Parce que c'est un ami à moi et des fois, j'aime bien avoir son avis. Il connaît très bien, donc tu sais de qui je parle. Ouais. Et c'est pas le style à se tromper. Bah, là, et il encore s'est lui trompé. M'avait dit là, il s'est l'affichait trompé. À 9490 et moi je l'affichais à 9790. Il s'est trompé. Avec le petit toit, les amis. L'erreur arrive à tout le monde. Donc on arrive au garage et je vous fais la suite. Les amis, on se retrouve sur le parc. Hier on a rentré combien, Guillaume? 6 voitures? 6, 7. 6, ouais, 6, 6 plus 1, 7. On a rentré cette petite Corsa là-bas. Celle-là, on l'a pas payé très cher. 1500 euros de tête. Ouais. Un peu quoi, ça. 200 000 km. Ouais, voilà, elle est assez propre en carrosserie. C'est une essence. Critère 1. C'est un 3 portes. Ça vaut, on va dire, entre 3000 et 3500 euros à la vente, je dirais. Donc voilà, un bon petit produit. Normalement, ça se vend assez bien, les Opel. Bon, c'est encore mieux quand c'est en 5 places, mais bon. En 5 portes, pardon. Mais on s'en contentera. Elle est pas mal, franchement. Un bon nettoyage intérieur-extérieur et un petit bonbon. Après, on a rentré une 207. Hein. Les 207, on adore, Guillaume. On adore. C'est ça, c'est le croissant du matin, ça. C'est le pain béni, ça. Petite 207, en plus, elle est assez propre, celle-là aussi. C'est toi qui l'as checké, celle-là, hier. Ouais, 206 000 km. Par là, je sais plus exactement. Assez propre en carrosserie, intérieur propre. Pas elle avait été entretenue, elle, ou pas? J'ai pas d'infos dessus. Faut qu'on l'amène au lavage. Bon, il y a les housses. Mais voilà, c'est une 5 portes. Elle a les vitres teintées à l'arrière. Ça, de toute façon. Regarde. Ça, on aime bien quand on voit ça, les amis. Un ouais, petit dossier de suivi. Il n'y a pas grand chose. Que des contrôles techniques. Que des contrôles techniques. Après, c'est vrai que des fois, les gens, ils aiment pas laisser les factures parce que vu qu'il y a leur nom, prénom, adresse. Après, les 207 comme ça, en général, on fait révision, distrait et les consommables. Nickel. On va faire une petite rénovation au niveau du plastique. Faut qu'on essaye le polytrol. Ouais, on va tester le polytrol. C'est vrai que j'ai vu des vidéos, ça a l'air pas mal du tout. Cache la bête, celle-là, on la montre à la fin. À la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette petite Fiesta. Mika, tu veux passer dans la vidéo ou pas? Non, il veut pas. Bon, il y a une nouvelle recrue, mais il est un peu timide. Hein. Je vous présenterai notre nouvelle recrue d'ailleurs, Anas. Il est en cours le jeudi, vendredi. C'est un nouvel alternant. Et du coup, on fera une petite présentation. Vous savez qu'il y a eu un changement. Enfin, c'est vrai, Anas. L'effectif s'est agrandi. Petite Fiesta. Donc ça, petit rétro. Hein. Il est tombé d'ailleurs, il faudrait le recoller. Enfin, on va le changer d'ailleurs. Donc ça, 700 euros, hein, c'est ça? 750 euros. Ça, c'est beau, ça. 160 000 km. Ça vaut combien? 3500. De toute façon, Jimmy, il a une devise. 5 portes. C'est quoi ta devise? Moi, j'ai ma petite devise. Je vais vous dire, c'est quoi ma devise, Guillaume? C'est moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros, tu mets le tour de clé, ça démarre, c'est Yalla, comme qui dirait. Donc, 5 portes, franchement, carrosserie, elle est pas trop mal. Elle est même propre, hein. Elle est propre, hein. Elle est très propre. Pour 750 euros, moi j'étais là. 750 euros, oui, on achète, oui. Donc voilà, on attend la compte pour cette voiture, cette 2008.
Normalement, elle est vendue. La femme est venue la voir, elle nous a rappelé, on lui a envoyé le RIB. Petite essence 2015. PureTech, les amis. Mais bon. Ouais, on va lui refaire une distri, Révision complète, extension de 122 000 km. garantie. Après, hein, je vais vous dire, les PureTech, bientôt, ils viennent avoir un veux-tu, en voilà. On n'aura pas le choix, je pense. Ça, et on a rentré aussi le lot de bonbons. Bon, il y en a deux qu'on ne pourra pas vous présenter. La Seat Ibiza, il y en a une qui est en carrosserie et une qui est au lavage. Une Ford Fiesta bleue, qui est pas mal aussi. C'est cette petite Golf 7, les amis. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Franchement, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. C'est vrai que c'est un noir-gris. Noir-gris, ouais, c'est pas. Je sais pas, Un j'aime noir bien. nardo. Ouais, voilà, on dirait une espèce de grinardo, mais plus foncé, quoi. Mais pas mal, donc 5 portes. L'avantage, bon, on va faire un peu de polissage parce qu'elle, c'était pas la plus belle. Franchement, à l'intérieur, déjà, venez voir. Hein. Ah, dommage, elle n'est pas ouverte. Mais Manu a fait un sacré boulot. Je sais pas si tu peux leur montrer. Boîte auto, les amis. C'est une voiture Bon. qui a 194 000 km. Toujours entretenu chez Volkswagen, carnet d'entretien complet. Donc ça, pareil, hein, sur le marché, ça vaut ces 9 000 euros, quoi. C'est 9-10 000 euros. Et c'est bien rentré aussi. C'est bien rentré. On dira le prix de rentrée à la sortie. On dira le prix de rentrée à la sortie? On leur laisse la surprise. Exactement. C'est pas mal rentré, c'est bien optionné, les rétro électriques, rabattables, capteur de pluie. Bon, c'est un TDI 105. Donc voilà. Voili, voilou. Après, il y a eu quoi? Il n'y a eu pas eu d'autres ventes? Il y a eu des ventes un peu entre-temps ou pas spécialement? Des touches, C'est mais quoi pas la de vente. dernière? On est quand même à combien? 7 véhicules vendus là? Ouais. 7 véhicules vendus et on est le 7. Non, le 8. Le 8, ah, du coup, il en manque une là, les gars. Il manque la On a dit une par 208. jour. C'est-à-dire le 8, ça doit être 8 normalement. La journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Donc voilà la pépitas, les amis. Ça, El c'est le coup Famoso. de. Pas! Le coup de fusil partie 2. Les 308 de cette génération là en ce moment, elles partent 2013 extrêmement bien. Féline. Le beau toit, panneau, les beaux sièges, les belles jantes. Tout beau. C'est une très belle voiture, les amis, vendue en même pas 24 heures. Donc ouais, c'est une Féline semi-cuir, je crois que c'est imitation Alcantara. Bien Régulateur optionné. adaptatif, le Voilà. toit panoramique. Nous, on l'a rentré en carrosserie. On avait fait le pare-choc à l'avant parce qu'il était bien rayé. J'essaierai de vous mettre des photos. Pare-choc avant, pare-choc arrière. Et l'aile là, je vous mettrai des photos aussi. Je les ai sélectionnées pour vous. Il y avait là, c'était touché. Et du coup, franchement, nickel. Hein. On a mis 500 euros de carrosserie à peu près. Et Ouais, sur ce type de produit, faut pas avoir peur, hein. voilà, quand c'est des gros prix, les amis, c'est très important. Les gens, ils regardent beaucoup ça. Déjà, sur des plus petits prix, ça passe, mais des fois, c'est compliqué quand la carrosserie est trop abîmée, puisque les gens, en fait, ils regardent que ce qu'ils connaissent. Et eux, que ce qu'ils connaissent, c'est une voiture propre et une carrosserie propre. Après, tout ce qui est mécanique, vous pouvez leur dire, vous avez changé 100 pièces dessus. Et des fois, ils s'en foutent un peu, quoi. Donc, voilà. Vendu quoi? C'était un jeune? Il est venu avec son Un père, je crois. jeune avec son père. Voilà, il fait un crédit avec sa banque. Donc, du coup, la pépite. Donc, ça, pour vous dire un peu les chiffres, acheté 6 500 euros. On a mis 500 euros de carrosserie, 7 000 euros. Affiché 9 790 euros. Vendu en 24 heures. C'est ça. Donc, voilà, comme je disais un peu, au niveau du prix, on ne savait pas trop parce que il y a des 308 qui ont les mêmes nombres de bornes, qui sont plus récentes, donc qui sont pas en ce pack-là, pas aussi jolies. Je pense qu'on s'est peut-être trompé, entre guillemets, peut-être un petit peu. À 500 euros près, mais je pense pas qu'on aurait pu la vendre. Enfin, tu dis que tu avais eu beaucoup d'appels quand même. Ouais, on aurait pu peut-être à 10 000, 10 500, mais bon. Tu as reçu combien, toi, à peu près 4-5 messages sur le bon coin en messagerie la Ouais, soirée? 6 messages le bon coin et 5-6 appels le lendemain matin, ouais. 5-6 appels. Bon, après, des fois, ça tarde pas. Après, il y a beaucoup de curieux, etc. Mais ouais. Je vois qu'il y a la 308 derrière, on l'a pas encore livrée, les amis. Elle va être à livrer là. Parce que du coup, c'était pas la pompe à eau, mais c'était un joint de culasse. Donc, on a dû tout refaire. Joint de culasse, déculasser, ça a pris du temps. Rectification de la culasse. Bon, après, c'était un très bon coup. Donc, on sera toujours bien gagnant, mais Faut ça a pris faire un les peu plus de travaux, temps que ouais. prévu.
Voilà les amis, pour cette petite vidéo du jeudi, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, dans l'ensemble, tout est dit. Ça suit son cours, ça avance, ça livre. La 207, ça, c'est une vendue aussi, ouais. Ouais, pareil, celle-là, vendue en 24 heures. En 24 heures? Ouais, celle-là, rapide. On n'en a pas parlé de celle-là. Celle-là, très rapide. Si, tu l'avais mis en commentaire, je crois, sur la dernière. Ah oui, c'est celle que Manu avait lavée. C'est vrai, les amis, elle est là. Regardez, passage à l'atelier. On va faire les 2-3 bricoles. Distri, révision. N'hésitez pas. Le petit pouce qui fait plaisir. Commentez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, l'équipe. Ciao !